Bonsoir Twitch, bonsoir, bienvenue pour ce petit live Hollow Knight encore. Comment ça va? Il y a des emotes, c'est tout plein de choses. Et voilà, ça commence. Est-ce qu'il y a une alerte? Oh oui! Ah oui, c'était ça. Oui, ça y est, je me rappelle de l'air. Merci pour le sub, Sarah, c'est trop gentil. Merci. Celle des bits, je me rappelle ce que j'ai mis, je crois. Je crois que je me souviens totalement ce que j'ai mis. Ok, sympa. Ouais, il y a peut-être. C'est vrai que ouais, dans mes alertes, j'ai que des. Je crois que j'ai mis que des Pikachu, des Poké et tout. Merci bien, c'est trop gentil. OMG, la première fondatrice. Alors du coup, attends, je vais regarder un peu ce qui a été accepté ou pas comme emote encore. Parce que là, il n'y a pas encore tout. Coucou JD. Coucou, let's go to business. Comment tu vas? Comment tu vas? C'est où qu'on voit ça? C'est ici. Non, c'est pas là. C'est Beat Shears. C'est dans... Émoticône, voilà, j'ai trouvé. First. First. Bien joué à toi. Suivant That's a win. Incroyable. Alors, du coup, est-ce que tu peux avoir l'im. Parce que là, c'est ta fondatrice. Je suis pas sûr, je sais pas si tu peux avoir fondatrice et le badge de sub. Ou. T'as moyen de monter ton micro un peu ou pas. Je peux parler plus fort, par contre. C'est vrai que je ne parle pas très fort en vrai. Je parlais pas très fort. Mais je pense qu'il est à peu près au max parce qu'après ça sature trop. Ça se met pas tout de suite les badges, je crois. Si, bah là, moi je te vois avec la badge, avec le badge de fondatrice. Mais après, c'est à toi dans l'identité du chat de choisir si tu veux, l'emote ou pas en fait. Alors, du coup, voyons voir. Il y a combien d'emotes au total? Il est censé en avoir 5, 10, 15, 16, 17. Ah, si, je crois qu'il est 17, hein. Attendez. Là, 3, 4, 5, 10, 15. Ouais, s'il y a toutes les emotes, et ben parfait. Parfait, parfait. Bravo. Et du coup, donc, je l'ai dit à Sarah déjà, mais. Hop, je l'ai dit à Sarah déjà, mais les emotes que vous voyez là sont pour la plupart temporaires. Et plus tard, il y aura les emotes. En rapport avec Madeline et Badeline de Céleste, c'est à la place du Hollow Knight. Même si j'adore celle de Hollow Knight. Et puis je pense que quand on aura vraiment beaucoup de place sur les emotes, je remettrai peut-être des emotes Hollow Knight là. Mais bon. Moi je vois pas encore les badges. Ah ben là moi je te vois, je t'assure que je vois que le badge de fondatrice. Y a pas de problème. Sinon peut-être rafraîchi, je sais pas. Mais ouais, je te vois totalement avec là. Ah, je vois le first, c'est bon. Ah, nickel. Bon. Hop. Eh ben écoutez, on va essayer de se faire ce petit ponton. Ça va pas être un live très très long, hein, je vous dis. Pourquoi ma manette elle. Allô? Attendez, je vais peut-être redémarrer le jeu parce que la manette elle est pas. Elle n'a pas été reconnue. Attends. Hop. C'est bon là ou pas? Seconde. Boum. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai lu. Mais pas l'autre sniff. Oh, caca, oui. J'ai dû l'appeler caca avec un K et un K parce que sinon ça passait pas. Et oui, c'est dans Isaac. Alors, faut que tu regardes. En fait, je pense qu'il faut que tu choisisses, mais je sais même pas si tu peux, quand tu es fondatrice, choisir. Mais c'est dans l'identité du chat, tu sais, c'est là où tu changes ta couleur de pseudo et tout ça. C'est près des emotes. Pas des emotes, comment dire. Pas loin des points de chaîne, enfin c'est sur là-dessus, attends. Identité de discussion, ouais, c'est à côté d'envoyer un message. Il n'y a que le badge first. Ah, fork. Ah, c'est dommage ça. Attends, ouais. Comment je peux pas déplacer ce truc, merde.
page d'abonnés. Ouais. Je regarderai moi sur ton stream quand tu la prochaine fois voir si j'y arrive ou pas. Peut-être que les fondateurs n'ont jamais le badge abonné. C'est bizarre quand même. Ouais, c'est ce que je me dis. Mais si ça, c'est dommage quand même. C'est dommage, je vais pas pouvoir voir. Parce que là, ok, bon, le badge 1 mois, il est petit haut, tu vois. C'est un bébou badge. C'est un bébou badge. Mais après, ils vont être cool avec les fraises et tout. Du coup, ouais, ça va pas être un live très très long parce que je dois aller manger avec de la famille dans un peu plus de 2 heures. Donc, ouais, il y aura ouais, à peu près 2 heures de stream. Bon, c'est déjà pas mal, hein, 2 heures de travail sur ce panthéon de ces morts. Et je voulais la fraise là, mais t'inquiète, déjà la fraise, c'est à partir de 2 mois. Et puis, ouais, d'ici là, bah, on pourra regarder si on peut changer ça. Pas besoin, ça va être replié. On espère, on espère. J'essaie de rester focus et tout ça. Je vais pas trop mal. Pas grid, pas de choc. Hop là. Puis au pire, on refera peut-être un stream demain après-midi si besoin. Pour parler de celle-là, j'ai presque envie de lancer le jeu pour vous faire un petit speedrun dessus, tu sais. Hop! Allez, c'est parti! Vais continuer mon bracelet en même temps. Let's go, les petits bracelets. Chaque chose en son temps. Peut-être que ça me donnera envie de l'acheter. En plus, là, oh, c'est. Mais allez, go, hein, là, il est à 2 € en ce moment, pitié! Allez-y! Ok, faut que je me mette dedans, mais ça va, là, ça va aller. Tel en se prenant des coups. Temps. Hop. Allez, viens là. Voilà, ça c'est fait. Bonsoir, enfin bonjour, by Az. Bonjour à toi. Mais ouais, en vrai, faites céleste, genre c'est. N'ayez pas peur de la difficulté, franchement. C'est. Alors, comme a dit Loïc sur le Discord, lui, c'est un peu un die and retry, mais franchement, honnêtement, c'est loin d'être le pire. C'est un jeu qui est magnifique dans son histoire et dans sa DA. Genre go quoi. Je pense que je connais personne qui m'a dit j'ai joué à Céleste et j'ai pas aimé, tu vois. Hop. En plus là, 1,95€ sur Steam. C'est quoi ton record sur le PS5? J'ai fini Céleste. Mon record, je suis allé, ben. On a fait premier training, c'était quand? C'était il y a 2 jours. On a fait 36 boss sur 42. Je suis morte sur Marcotte. J'ai pas eu le temps de. J'ai pas pu y retourner. J'étais trop pris par la fatigue pour y retourner. Et tu as fini Céleste, bravo à toi. Tu l'as fini genre juste l'histoire? Ou t'as fait genre le 100% et tout ça? On se fait toucher, c'est pas grave, on va se heal après. Hein. Premier travail de la journée. Faut se mettre dedans. Elle est dead. Voilà. 100%. Bien joué, bien joué, bien joué. 100% regarde, hein, franchement. Avec Farewell et tout. Les fraises dorées et tout ce bordel.
Hornets, skip. Par contre, Hornets, je suis bloqué à UMU. À UMU? Ah ouais? Dans le Panthéon, dans le jeu de base, enfin, quand tu le rencontres dans l'histoire. Parce que c'est pas pareil si t'es bloqué l'un ou l'autre. Ah merde, j'ai fait de la D là. Ok, attendez, on se met un coup. Hop. Boum. Dans le P5, je suis mort dessus. Ah ok, dans le Panthéon, d'accord. Ok. Ah, j'avoue, pour le coup, le UMU, je le trouve vraiment pas difficile. Bah, tu finiras par le passer. Tu finiras bien par le passer. En plus, si tu l'as battu dans le P... Si t'es au P5, c'est que tu l'as déjà battu dans un des Panthéons précédents. Puisque le P5, c'est juste le cumul de tous les autres Panthéons. Ouais, UMU, faut juste lui renvoyer les méduses sur sa gueule et puis après profiter de qu'il soit affaibli pour le taper. Puis ouais, ces coups électriques qui sont tranquilles à éviter, je trouve. Ça va bien passer. J'avais plus que 3 vies quand j'ai commencé le boss. Ah, t'avais plus que 3 HP. Ah oui, c'est pour ça. Ouais, ça n'aide pas. C'est qui avant? Ouais, t'as plus galéré sur le boss qui était avant UMU que UMU en lui-même, du coup. C'est qui avant UMU? Je me rappelle plus. Pauvre Tizo, hein, vraiment. Nice. Justice pour Tizo. Justice pour Tizo. Ah, c'est le moment de mettre des emotes dans le chat là. Profitez des nouvelles emotes. Hein. Il y en a 5 qui sont gratuites en plus. Ah, Stranger. merci pour le follow. Ça se prononce comment? C'est Byaz ou Byaz? Byaz? Je le prononce bien, Byaz? By As, ok, d'accord. J'ai pas les refs des emotes, mais on est là. Bah, en fait, c'est juste le Hollow Knight, c'est juste le perso que je joue avec des émotions, tu vois. Parce que je peux te dire que dans le jeu, il a zéro émotion. Sinon, attends, j'ai mis quoi quand même? Normalement, c'est que des emotes en rapport avec Hollow Knight et Céleste, c'est tout. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ah, si, il y a la poupe de Isaac. Il y a la fraise de Céleste. Et puis. La larve, c'est dans Hollow Knight aussi. Le cœur, c'est dans Céleste. La grand-mère qui rigole, c'est dans Céleste. Et le clown. Alors pareil, hein, je rappelle, hein, tous ces emotes qui vont être refaites parce que le clown, j'aimerais bien l'avoir en bien zoomé, ben, comme
comme les autres emotes. Mais le clown, c'est parce que c'est à cause de à cause du cirque dans Hollow Knight et le fait qu'on n'est toujours pas ce qu'ils sont. C'est un mème à la base. C'est quoi le boss où tu as le plus galéré? Vaisseau pur. Vaisseau pur, c'est lui, je pense. Vaisseau pur et Sly aussi un peu, et Zotz il y a longtemps. C'est les trois sur lesquels j'ai le plus galéré, je pense. Pas la ref. Eh ben lui, celui que t'as dit que t'as mis pas la ref, c'est des larves dans Hollow Knight que tu dois sauver. Que tu dois sauver. Et il y a une partie de la commu à cause de MV, de Mister MV, qui appelle ça les subs. Parce qu'en fait, quand tu les sauves, ils rejoignent leur père, le père des larves, et ils te filent de l'argent. Comme un sub. Voilà. Donc on appelle ça du coup, ouais, j'appelle ça des subs ou des larves, quoi. Des grubs en anglais du coup. Et du coup c'est pour ça que l'emote niveau 3 c'est le père des larves qui est gros. C'est parce que quand tu as fini de ramener toutes les larves au père des larves, il les bouffe. Il les bouffe tous. Enfin toutes. Du coup il devient énorme. Et du coup j'étais obligé de mettre cette emote tier 3. Vu que c'est synonyme de beaucoup d'argent. Voilà. C'est tout pour le lore ici. Hein. C'est une situation collective, je pense. Hein. Je pense vraiment que c'est une situation collective. Des larves que tu sauves pour qu'elles se fassent manger. Voilà, exactement. C'est horrible. En plus, tu les vois encore. Bouger dans le ventre du daron. Sauf des larves pour qu'elles finissent par se faire nickel ça. Ouais, parce que quand tu fais le jeu, tu le sais pas ça. Là, je vous ai spoil. Oh, OMG. Spoil de fou. En vrai, c'est peut-être bon. Ouais. Des larves secs, enfin des insectes séchés, c'est. Ouais, moi j'ai déjà essayé, en vrai, ça a pas trop de goût, hein, désolé. Ça n'a pas trop de goût, genre. Tu mets ça en apéritif, mais c'est pas. Wow, ça croustille, quoi. Des larves secs, As 2024. Non, mais tu sais, quand tu les manges en apéro pour que ce soit comestible, elles sont séchées, c'est croustillant, tu sais. Genre. Vous voyez de quoi je parle, même si vous en avez jamais mangé, je pense. Allez hop. No thanks, je préfère les chips. Moi aussi, mais c'est juste pour essayer, tu sais. Je commence à avoir faim et je sais pas quoi manger. Là même, je commence à avoir faim, mais c'est déjà prévu. Allez, les dames menthes. Les patates, c'est bien aussi. C'est bon, les patates. Ah, il fait chaud, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de raclette. Ah, mais c'est bon, j'ai de la raclette dans mon truc ce soir. Parfait. Merde, je suis déjà fouillé. Bon, si je vous dis ce que je mange ce soir, personne va connaître parce que c'est un truc qui existe que dans le nord à tous les coups. Ou alors ça existe dans le sud, mais ça se dit pas, ça se prononce pas pareil. Ça n'a pas le même nom. En tout cas, Diva lui connaissait pas, mais bon, c'est un Parisien, c'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'il est bien ce fight? Je kiffe.
merde. Merde, double touche. Hop, morte. Et morte. Parfait. Non, pas des mantes. Elles viennent de Mantes la Jolie, peut-être? Haha. Aïe. Et de la menthe, j'ai réussi un try des trois. Force try des trois, ouais. Pareil, pareil, pareil. Après, quand tu... Je me suis fait surprendre un peu la première fois, mais c'est passé. Mais ouais, quand tu connais le fight, déjà contre les deux, ça va. Censé faire un chill, un chili ce soir, mais j'ai la flemme. T'as souvent la flemme de faire manger en vrai. Merde, trop tôt. Putain, c'est chiant, il a jamais le même timing, ce petit salaud. Ok, c'est bon. En même temps, j'en ai pour 2 heures. Ah oui, quand même. Bah, bon courage. Fais-moi des crêpes, s'il te plaît, j'ai trop envie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Hop, voilà. Ah, j'avoue, des crêpes, là. Question philosophique. Est-ce que vous mangez pour vivre ou est-ce que vous vivez pour manger? Moi j'ai déjà, je connais déjà ma réponse depuis longtemps. Merde, je vais la dé. Je mange pour vivre. Ah non, moi je vis pour manger, hein, je pense. Hein. Je pense que je vis pour manger. Hein. Vis pour manger. On a déjà vivre pour vivre. Bah, tu vis là, actuellement. Au moins à l'extérieur. Ça, tu vas me faire croire que tu manges pour vivre et pas l'inverse. Moi, j'ai l'impression que le salon Miam, il dit tout l'inverse, hein, des fois. J'avoue que je parle tout le temps de bouffe. Toujours, toujours. Dès qu'il y a un truc sur Salon Miam, c'est je veux goûter, je veux manger. Ah non, aujourd'hui t'as pas réagi. Oh, c'est ce que j'ai mis. Ah oui, mais il y avait du saumon. Ah si, mais tu manges du poisson, je crois. Oh, il m'a touché derrière. Sorry. Si j'ai vu, je l'aurais dégommé. Ok. Voilà, il me reste la moitié encore parce que ça on s'en rend pas compte, mais je peux dire que dans leur truc à eux, quand ceux chez qui on va chercher ces lunchbox là, je peux te dire qu'il y a de la quantité. Hein. Donc ouais, j'en ai encore, bah, pas pour ce soir du coup, mais pour demain. Entre jamais jamais moins le quart, t'inquiète. Parfait. Ah, je suis content de voir qu'il y a des gens qui savent se mettre d'accord ici.
vache. C'est une façon de voir les choses. Le pépé clown. Après, aïe. Après, mon bracelet il avance plus vite qu'en live. J'ai fait la deuxième moitié en 30 minutes contre 2 heures. Bah oui, mais c'est normal, c'est parce qu'en live tu parles beaucoup. Enfin, tu parles beaucoup. C'est pas. C'est juste ça, on a l'impression que c'est un reproche. Tu discutais avec le chat et bon, faire deux choses en même temps, c'est pas jamais évident. Nickel. On voit pas assez le clown sur la tienne, faut zoomer. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que il y a beaucoup d'emotes qui vont être refaites, dont celle-là. Celle-là, c'est juste une emote qui était gratis sur 7TV. Mais elle sera refaite avec un zoom un peu comme le pépé clown que t'as, mais avec l'onite à la place, tu vois. C'est prévu, t'inquiète. J'ai déjà fait la première commande d'emote auprès de Nira. J'attends juste qu'elle réponde parce que là, le boss. Mais la première commande est faite. Donc d'abord ce sera les emotes gratuites et les points de chaîne et après je ferai le reste. Parce que hier tu parlais en même temps donc tu t'arrêtais plus souvent, exactement. Ok, il est presque mort. Non mais 4 fois plus de temps quand même, c'est chaud. Bah... Ouais, mais bon, écoute... Je comprends que quand tu stream, tu prends plus de temps. Mais... Ouais, 4 fois plus... Non, je pense que c'est normal. C'est pareil quand tu dessinais. C'est vrai, faut que je reprenne d'ailleurs. Ouais, le dessin, cette chose. C'est vrai que ça fait longtemps le dessin. Ouais. Si seulement tu n'avais pas été absorbé par Valo.
Nice. C'est fini ou il y en a encore là? Fini? Ok. Veilleur de boss de merde, vraiment. Hein. Ah, c'est contre lui que t'as galéré? Parce que là, je crois que c'est, je crois que je suis à Umu. 100 000 heures challenge plus que 100 au final. Plus que 100, ouais. T'en ferais des choses hein, si tu jouais pas Valo. Quand on a déjà pas passé pas mal d'heures dessus. Hein. C'est parce que ça m'a gavé de faire des meubles, donc je pense que je skip jusqu'à l'anatomie et étudier des corps. Elle m'a étudié des corps, elle est obsédée par les corps. Fais donc, fais donc. Ouais, moi je prends bien ma revanche aussi sur les veilleurs, je t'avoue, parce que quand j'ai commencé le Panthéon 5 l'autre jour, on sortait du speedrun sub 5 heures où j'ai galéré pendant 45 minutes sur le boss des veilleurs. Mais du coup, en speedrun, t'as aucun stuff et tout ça, tu sais. Donc la galère. Et puis bon. Salut. Oui, c'est Nox. Nox ou Nosk? Nosk, je crois. Nosk! Allez. Super, on commence par ce move de merde. Vas-y, va te faire foutre, à chaque fois que je me heal, il dash. Allez. Ça sonnera à la fin, c'est pas grave. Allez, salut. Salut mon pote. Next. Easy. Easy Nosk. Je trouve qu'il est même plus facile que la version de base, honnêtement, celui-là. Allez, Sly, le relou. Sur lequel on est mort pas mal de fois la dernière fois, donc, à cause de la fatigue, là. Allez, faut pas que je troll sur la phase 1, c'est ça qu'on avait dit. Arrêtez de troll sur la phase 1 pour avoir des PV pour faire la phase 2. C'est ce qu'on s'était dit. Ah ouais? On a fait son combo là. Ah, il y a une chute. Ok. Et au moins 3 s'il te plaît. Oh yes. Merde. Ok, pas mal.
se retrouve avec 8 HP. Non, 7. Ok. C'est la magie, écoute, c'est la magie, on se rappelle. Quand on a l'occasion, comme ça par exemple, voilà. Allez, ça passe crème. Ok, on va savoir. Relou en même temps, Sly. Ouais, Sly est vraiment relou, hein. Vas-y, prends un aiguillon encore plus gros et tape encore plus vite, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Hornet derrière. Chaque fois, je me dis, après Sly, c'est la pause. Non, il y a Hornet. Allez. Hornet avec ses putains de trucs blancs, là. Ouais, faut pas que je troll. Putain, à chaque fois je me dis elle va dasher plus loin, mais en fait non. Je me fais avoir comme un bleu. Et putain, non, j'ai plus qu'un HP là vraiment? Ok. Ah, jure. Ok, nice. C'est vraiment ces pics blancs là, ça me stresse parce que je les vois quasiment pas blanc sur blanc. Dommage que la musique change pas en fonction des boss. Pile quand je dis ça change. Oui, Hornet elle a son thème pour le fight. Il y en a quelques-uns qui ont un thème quand même. Pas tous, c'est vrai, une bonne partie. Hein. Chao, lui il est vraiment anecdotique. Ok, proche disparu, lui il faut pas troll. Faut la jouer safe. Pas jouer trop en haut. Aïe. Putain, mais il faut que je dash dans l'autre sens, merde. Ok, nice. Ah putain, je fais la merde. Ok, c'est bon. Next. Bien gaze. Ouais, le cristal, le mec en cristal, là, il est vraiment nul. Une fois que t'as le. Enfin, même sans dash des ombres, c'est facile, mais avec le dash des ombres, c'est vraiment encore plus simple. Bon, arène un peu relou, mais bon, ça va le faire. En fait, on est contre Abra. Un mec qui se TP et qui dort. C'est Abra, en fait. Et. On va se heal. Elle est où? Aïe. Oh non, je me suis pris les pics là. Allez, ciao. Qui se TP et qui quoi? Connais pas. Oh. Ah, le seigneur traître. Ah oui, attends, faut pas que je troll. Oh là, j'en fous le troll. J'en fous le troll. J'en fous le troll. Oh non! Oh le full trolling, attendez. Focus.
Voilà, super. Bon, par contre, ouais, on va pas être full vie là. Ok, si, presque, ça va. Faut pas que je troll Triple 8. Triple 8 à 2 HP en plus, donc ça fait mal quoi. C'est bon, toi. Allez, on joue au basket avec lui là? Ah, pas le temps de jouer trop au basket. Non, faut que je dash vers lui quand il plonge. Ok, nice. Allez, on suit la max. Ok. Il manque 2 HP. Ah bah ça va, il y a une pause. Ok, c'est bien, c'est le. Rappel, c'est le first try de la journée, mais on va assez loin là, c'est cool. Hop. Un petit peu de désaltération. Jusqu'ici, c'est plutôt tranquille. Ouais, ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Je suis pas trop trop de la merde. Ok, tyran de l'amour, lui c'est une formalité. Dites en se prenant. En se prenant deux hits. Ouais, non, mais vous savez bien, c'est pour le divertissement. Ah, là il faut dasher. Oh, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ok, c'est pas grave, on va suivre ici. Hop là. Pour celui-là aussi. Voilà. Allez, maintenant on invite les hits de merde. Hein. Hop, passe 2. Voilà, j'ai moins le temps de le taper, franchement c'est chaud. Je vais mettre un hit. Ouais, non, il faut que vraiment je me concentre sur l'esquive. Ok. Nice. Allez, suivant. Un peu gênant la formalité quand même. Non, ça va. Il est tranquille, en vrai, c'est moi qui est troll de ouf là. Mais bon, ça va. Ah, ah, ça y est, on est contre le boss sur lequel je suis morte la dernière fois. Je rappelle qu'après ce boss-là, il y en a plus que 5 et c'est finito. Bonjour, je cache mes points. Oh non, fais pas ça, Sarah, voyons. Il faut que je mette des... C'est le seul truc que j'ai pas du tout fait pour l'instant, mais... Il faut que je fasse des récompenses de points de chaîne pour que ça serve à quelque chose. Je pense que déjà je m'inspirais un peu de ce qu'a fait Manu. J'aime bien le fait de pouvoir mettre des sons sur le stream. Ça drôle. J'en avais 500, je me sentais riche. Ok. Ça ira si tu trolles pas MDR. Ouais, donc là. Attendez, parce que lui on l'a fait qu'une seule fois. Enfin, dans cette arène en tout cas. Et du coup, il y avait quelqu'un qui m'avait donné un tips pour le passer, donc on va tester. Mais je l'ai pas refait depuis, donc attention. Moi j'aime bien aussi, mais je me suis pas penché sur la question. Ouais, ça, et puis je pense je me baladerai un peu sur des streams pour voir ce que font les gens. En vrai, je vais m'inspirer un peu, et puis voilà. Parce que j'avoue, moi j'aime bien être sur des streams où ça sert, tu vois. Donc, allez, c'est parti.
Merde. Va vous mentir, c'est compliqué là. Ouais, c'était chaud. Ouais, j'ai essayé de pogo, mais c'est dur d'esquiver son aiguillon de merde en faisant du pogo sur sa gueule. Putain. Ça y est, vous savez quoi, on va juste aller le try vite fait en entraînement. Dommage, hein, parce qu'après lui, c'est 5 boss et c'est fini. Hein. Donc, Ah oui, c'est ce boss, ok. Ouais. En fait, ce boss en arène normale, il est facile parce que tu as une plateforme en bas. Mais là, tu te bats juste sur 6 plateformes autour de lui et en dessous, c'est du vide. Ce qui rend la chose bien plus difficile. J'arrive pas à me le remettre. Ben, en fait, je crois que t'étais sur LoL. T'étais déjà parti sur LoL à ce moment-là, je crois. Pauvre moi qui attends de récolter 100K sur la chaîne de mon crush pour lancer une fester, partir sur un tir. La stalkeuse. Ah, il était en haut, par contre, le boss qu'on cherche. Ok, bon, en vrai, bah, ça va. First try, 46 boss. 46, 36 boss. Pas mal. On est revenu là où on a fait la max la dernière fois. Il nous manque juste un peu d'entraînement sur Marcotte. C'est lui, je crois. C'est celui d'à côté. Non, c'est lui, c'est bon. Non, mais je veux dire, je l'ai déjà vu une fois, mais je m'en souviens plus. Ah oui, en même temps, il y a beaucoup de boss en jeu. Ça me ferait giga en vrai. Ouais, 100 000, c'est énorme, hein, par contre. J'ai jamais eu 100 000 points sur une chaîne, même celle de Diva, j'ai pas encore 100 000. Et pourtant, j'ai passé des heures dessus. Le sol tout le temps, j'arrive. J'arrive, paf, 100K, et je repars. Ça, c'est beau. J'ai quasi 70 000. Ah, putain, ok, c'est déjà pas mal. Ok, du coup, là, on va la jouer en se mettant en situation de... Il faut pas tomber... faut pas tomber, quoi. Alors, par contre, après, l'arène n'est pas exactement comme ça, mais bon. Vas-y, on va dire que c'est bon, quoi. Ça se trouve, je l'ai juste loupé parce que j'ai la peur de gagner, tu vois. Ok, là il passe en phase 2. Il n'y a que deux phases. Hein. Et là c'est chaud d'esquiver. Hein. Et là on passe easy, putain, mais allô! Il a peut-être plus de vie en. Il a peut-être plus de vie en Panthéon, j'en sais rien moi. Bon bah allez, on va aller. On va refaire le Panthéon. Je sais pas si. Ouais, je sais pas s'il y a plus de vie en Panthéon en vrai. À l'huile. Mais quelle est drôle Sarah, quelle est drôle notre Sarah nationale. Notre. C'est quoi déjà? C'est Princesse Impériale, c'est ça? Ah là là. Quelle heure il se fait là? 6h15. On a fait. On a pris presque 45 minutes pour faire un try. Ok. Prime de l'humour ici. Vraiment. Reine mère, oh, excuse-moi. Excuse me, princess. Alors, il faut sauter, hein. Faut sauter là-haut. T'imagines, tu t'arrives même pas à sauter là-haut, tu peux juste pas faire le Panthéon en fait. Mais allô, tu peux sauter s'il te plaît? Pourquoi j'arrive pas à y aller? Merci. C'est mieux. Là, ça commençait à devenir cringe. Hop. C'est bon, on a compris que c'était gênant. Merde. Bon, allez, on y retourne. On y retourne. Un mort déjà. Et deux morts. Ok. Si tu vas au resto, ce...
Ça veut dire pas de valos. Non, je vais pas au resto, je. On commande une frite en gros avec ma soeur et mon père. Et puis après, bah, je suis de retour, je pense, pour 22h, peut-être. Parce qu'on se donne rendez-vous en gros vers 20h. Donc ouais, 22h, il y a. Allez, 22h, ouais, tard. Ouais, ça fait. Ouais. C'est vrai que pour toi, ça fait un peu tard, c'est vrai. Mais oui, bah sinon, bah écoute, de toute façon, je te tiens au courant quelle heure je rentre. Hein. Et puis, bah, si on a le temps de faire quelques games, go, hein, on verra bien. Ou alors, j'y vais avec ma caisse, et comme ça, je rentre quand je veux et je rentre plus tôt. Mais j'ai un peu la flemme, j'avoue. Non mais c'est pas grave, arrête! Arrête de faire ça! Commence à essayer de me faire culpabiliser là. T'as pas honte? On jouera de... Arrête! Alors demain par contre je peux jouer que l'après-midi parce que au soir je vais à la fête de la musique près de chez moi. Donc voilà. Ok, je vois, putain. C'est bon. Et puis dimanche, je suis pas quasi pas là non plus. Dimanche, je serai là le soir. Enfin, en fait, je sais pas quand se termine le tournoi Smash, donc en soi, je reviens quand il se termine, mais il peut très bien terminer à 13h, comme à 15, comme à 18, quoi. Donc, j'en sais rien. Il y en a, c'est rien. Ouais, pas pour mon stream dac-dac. Je l'avais dit déjà. Hein. du coup, ouais, ton stream, c'est à 15h dimanche. Donc, je sais pas. Il y a peut-être un monde où le stream où je suis rentré pour, hein, tu vois. Parce qu'on m'a dit que. En fait, on m'a dit que le tournoi Smash commençait à 10h30. Ok? On m'a dit ça. Et aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai regardé, on était que 5 inscrits. Donc techniquement, jamais de la vie, il y a besoin de. Il y a besoin d'autant de temps pour faire un tournoi Smash à 5 personnes. Hein. Même si on fait du BO 5, franchement. En plus, moi, les matchs ils vont durer 2 minutes parce que je vais les éclater. Donc, voilà. Du coup, il y a un monde où, franchement, je pense que je pourrais être rentré pour 15h. Ça dépend s'ils font tout d'affilée ou s'ils enchaînent, tu vois. Enfin, s'ils enchaînent ou s'ils font des pauses. Donc voilà, attendez d'ailleurs, je vais regarder si on est toujours que 5 ou si on est plus. Sur Eloasso. Eloasso. Tac. Voyons voir. Parce qu'à la base, c'est 48 places max. Hein. Et je peux vous dire qu'il y a 5 tournois dans le truc et genre Smash et Loyal, mon ami. Je suis dégoûté. T'as l'air convaincu de l'heure. Oui, 10 heures. Oui, j'ai demandé, en fait j'ai demandé aux organisateurs de l'assaut, enfin de l'événement, donc ils m'ont dit 10h30. Et 18h, c'est l'heure où se termine l'événement en global, parce que ça, en fait, tu veux, il y a un tournoi Smash, mais c'est dans un événement où il y a plein de trucs, tu vois, genre un peu, on voit ça un peu comme une PGW, mais genre en local, tu vois, genre départemental, donc c'est petit, tu vois. Il faut voir ça un peu comme ça. Parce qu'il y a plein d'exposants et tout ça, alors du coup. Voilà, par exemple, Street Fighter, ils sont 28 inscrits. Il y a quoi? Il y a FIFA, ils sont 15 inscrits. Concours cosplay, ils sont 17. Ah, mais attends, ils ont retiré un tournoi. Attends, un. Ah, mais ils ont retiré. Ah, mais ils ont retiré le tournoi Yu-Gi-Oh! Ah, ben avant, il y avait un tournoi Yu-Gi-Oh! Et puis ils l'ont retiré. Mais il y avait pas mal d'inscrits autour de Yu-Gi-Oh, je me rappelle, ils étaient au moins une douzaine. Et là, du coup, Smash, ah ben on est plus que ça, on est 8 maintenant. C'est bien. Mais écoute, c'est bien que ça reste un multiplicateur de 8 comme ça. Plus. Bref, ok. Donc ouais, 8, tu vois, 8, tu pars du principe que allez, max, ils feront des BO5.
Un BO5, vas-y, tu comptes 5 minutes par match, ça fait 25 minutes. Si on part du principe qu'ils ont une seule console, et 30 minutes par BO, t'en feras les changements. Donc, ouais, franchement, il y aura sûrement une pause à midi, mais il y a un monde où à 15 h c'est fini, quoi. Donc, bon. En même temps, si d'habitude il n'y a que des crasseux normal qu'ils cancel. Putain, mais c'est quoi ça? Heureusement qu'Eliane n'est pas sur le stream, hein, sinon. Aïe! J'ai glissé. Petite panique. Oh mais pourquoi il m'a dash à droite là? Chef. Non mais je suis sérieux, il y a une règle maintenant, si tu pues ta mère, tu dégages premier degré. Ah mais en vrai ça me parle ce truc que tu me dis. Ouais, ça me dit un truc. C'était pour le jet glissé. Ah ok, d'accord, oui. bien sûr, j'ai glissé chef. Allez, c'est bon, hein. Meurs, toi, on a perdu assez de temps comme ça sur ce Panthéon. On veut finir Hollow Knight là. On veut faire d'autres jeux. On veut faire d'autres jeux là. Je pense qu'on relancera Céleste en vrai, mais on le relancera quand il y aura les emotes de Madeline. Comme ça fera genre hommage aux emotes. De toute façon, sans entraînement, enfin presque sans entraînement, j'ai juste entraîné les 3 premiers actes de Céleste, il y en a 7. Avec Kevin, une fois on a fait une race en stream. Et en gros, le principe c'était, on s'affronte sur un jeu et le premier qui finit le jeu, il se fait payer un jeu par l'autre. Okay? Et à la fin on avait une roue, on faisait tourner une roue et on payait le jeu enfin, sur lequel ça tombait dans la roue, quoi. Et quasiment sans entraînement, j'avais fini le jeu en moins de 2 heures, genre 1 h 45, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, ça ne prendra pas beaucoup de temps, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai la dalle là. Putain, mais voilà, le problème c'est que j'ai mangé du riz et du poisson, donc j'ai faim maintenant. Ce qui n'arrive pas quand je mange mes trucs gras là. Hop. Et c'est une règle légite. Je sais pas si elle est appliquée partout. Mais c'est un vrai bail en tout cas. Oui, maintenant que tu me le dis, ça me parle. Tout à fait. Justice pour Tizo. F. Presse F pour Tizo. O7. Ouais, salut. J'ai totalement abandonné l'idée du chill. Ah, du chill. Putain, à chaque fois, je veux du chill. En fait, j'ai arrêté de chill, je suis en train de rager ma grand-mère là. Il me touche là. Allez, salut. Toujours pas envie de faire des crêpes. Chacun ses problèmes. Aïe aïe aïe. Arrête de dire ça. Putain.
Bon, JD, t'as beau dire chacun ses problèmes, j'espère que tu vas voter dimanche. Putain, c'est ça en plus ce qui me fait chier, c'est que le tournoi il tombe pile le jour des votes. Et vu que je sais pas à quelle heure ça va finir, je suis obligé d'y aller le matin très tôt. Donc, c'est-à-dire que demain soir j'ai fait de la musique avec des potes. Donc, déjà que de base je pouvais pas finir très tard à cause du tournoi. Et là je vais devoir encore pas finir trop tard, encore plus. Parce qu'il faut que je me lève pour aller voter. Putain, merde. En plus, c'est des potes que j'ai pas vus depuis hyper longtemps et tout. Des anciens collègues. Dans le tas, il y a Réo d'ailleurs. Ça. Aïe. Allez hop. Yes, ah nice. Ouais, faut tant que pas fait de soirée avec ces gens-là. Ça va être un truc chill, je pense. Oups. Allez hop, salut. La musique me tend. Tu veux que je la baisse un peu? C'est vrai que c'est la même en boucle en vrai quasiment depuis tout à l'heure. Pitié, ok, vas-y. Allez, je baisse un peu la musique. Tu me dis si c'est assez comme ça? Aïe. Attends. Putain, attends, je fais de la merde là. Hi. C'est bon, mitraillette là. Putain. Mais comment ça, il vient me chercher jusque-là, lui? Non, mais je vais vraiment crever sur cette merde là. Dégage. Putain, j'arrive pas à le toucher. Merde, c'est qui comme boss après lui? J'espère que c'est pas un boss relou. Ah, super. Putain, mais je retombe à 1 HP. Ok, salut. Merci, mon cerveau te remercie de rien. Tu prends des coups gratuits là, ouais, vraiment. Ah, les dames, ok, elle est morte. Alors là, faut pas de choc. Je peux le faire en no-hit, mais on va rester focus. Allez, c'est parti. Du coup, je vais remettre un peu dans mes oreilles.
Pas de heal. Ok, bon, tranquille. C'est pas plus mal parce que comme ça j'entends un peu plus les coups des attaques ennemies. M'échapper par la gauche. Merde, je pensais pas me faire toucher là. Ok. Ok, c'est gagné. Easy. Ah, j'aime trop les menthes. La petite source chaude. Putain, il me fait chier à accélérer des fois. Ok. Là, lui, j'ai déjà fait en 8, mais le problème, c'est que des fois, il rebondit de manière lente, des fois rapide. Pas moins de le savoir. Bon, de toute façon, derrière, c'est lui, donc genre, rien de plus simple. Voilà. Allez. Allez, notre petit artiste. Le tartiste. J'avoue, il a une tartine plus que ce qui peint. Une grosse tartine de peinture là. Une grosse tartine de fun. Allez hop, salut. Allez, on dégomme ce panthéon. Hein. Là, faut mettre la musique de Miel Pops.
Putain, je me fais toucher par les abeilles, je peux pas me heal. Saloperie. Ah oui, ça va, c'est lui derrière. Gratuit, ouais, lui il est gratuit de fou. Hein. Allez. Hi. Next. Et toi, ça mange quoi ce soir, Sarah? Pas des crêpes, visiblement. Déjà, pas des crêpes. Déjà, ça, c'est mort. Ah, tu peux te faire des crêpes après si tu veux des crêpes, hein. Je sais pas, en vrai, je vais sûrement rentrer chez mes parents. Ah, d'accord. Ok, donc pas de Valo quoi en fait. C'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire ce soir, il n'y a pas de Valo. Je sais pas si vous avez la ref de l'un qui est terrassé avec leur bande de pull quand c'est écrit No Homo sur leur t-shirt. J'imagine la même chose à marquer No Valo. No Valo. La faute à qui? Genre, c'est ma faute. Genre. Au moins, je vais manger avec des gens qui vont pas voter RN, c'est bien. Ah! Mon Dieu. Si elle attend après, si elle attend après, moi aussi, elle se crée des problèmes toute seule. Ah, c'est faut la comprendre. Hein, elle a vu que son prénom voulait dire princesse, je sais pas quoi, reine-mère, là. Donc, il faut lui faire, tu vois. Faut lui faire. Bon, je pense qu'après celui-là, on aura. Si jamais on réussit pas, on aura le temps de refaire un seul try derrière. Mon prénom veut dire princesse. Ah, j'ai loupé, putain, j'ai loupé!
Mais putain, honteux. Mais j'en suis au stade de reine là. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, carrément, tu t'es octroyé le statut de reine. Ok. Je vois. Allez, next. Non, parce que je suis votre mère à tous, donc reine-mère. Ok. C'est vrai qu'il y a ce lore de mère. Merde, j'ai loupé. Tu peux renvoyer des méduses, s'il te plaît? Waouh. J'ai pris bien la plateforme dans la gueule, celle-là. Deg. Putain. Non, j'ai pas eu le temps. Mais arrêtez de vous prendre les plateformes, s'il vous plaît. C'est mon pire boss humu, là. C'est mon pire humu. Ah. Allez, dégage. Elle est pas morte encore. C'est bon. Là, elle est. Donc reine mère de vieille hein, finalement. Empire Ulu. De vieille, genre. Genre la vieillesse. La vieille mère. Empire Ulu. Ah là là. C'est moi que je pioche dans les sons Discord pour mettre des sons sur Twitch là. Aïe. Et putain, débilos. Oh, j'ai atterri dessus. Ah, j'ai réussi à rebondir deux fois. Intéressant. Ah ouais, je peux peut-être taper comme ça, c'est mieux. La nouvelle strat. C'est comme la nouvelle star, mais la nouvelle strat, quoi. Mais putain, mais j'arrête pas de me faire toucher alors que je me fais jamais toucher par ça. Non, attends, j'abuse là. Allez, dégage. Aïe, x2. Ouais, là. Un peu saoulé, j'ai pas arrêté de me prendre ces crachats. Que je me fais jamais toucher par ces trucs. Ok, Sly. Ah putain, on a un Sly en plus. Ok, manque de HP, ça pas fou pour commencer Sly, mais bon. Ah, le bâtard, il va me chercher jusque-là, quoi.
Oh putain, il retombe au soin. Allez, on suit 3 HP. Quoi? Il me touche là? La honte. Putain, dégage. Allez. Ok, c'est bon. Ça, il me fait toujours un peu suivre, hein, cette saloperie. Bon, une fois qu'on a passé ça, normalement, c'est tout droit jusque Marcotte. Bon, faire gaffe à elle là quand même parce que ça fait quelques fois que je me laisse surprendre. Mais bon. Fais juste pas tes boules à pique là et ça ira. Ok, nice. On est bien. Les boules à pique, il y en a une à droite, ok, noté. Hop, il n'y en a plus. Super, on a remise. Tac, tac. On les vire direct comme ça. On sait qu'il n'y a plus de danger. Elle est où l'autre? Je suis sûr qu'il y en reste une, mais je la vois pas. Non, c'est bon, elle est morte, ok. Bravo. Ok. Mais putain, okay, je suis obligé d'acheter, mais je vais louper. C'est longtemps qu'il m'a pas touché, lui. Proche disparu. Allez, on troll pas, genre en l'air. Et tout ira bien. Merde. Nice. Histoire, toi. Toujours un tocard, lui, vraiment. Et ça, parce qu'il y a une époque où je galérais un peu en vrai, et maintenant ça va. J'ai juste le temps de reprendre les patterns et tout, le timing. Ah, vas-y. Touché par des trucs cons là. Ouh, comment je me fais pas toucher là? Allez. Bye bye.
flippant le son. Ouais, il est un peu. Lui, il est un peu en mode. Je vais manger ton âme, quoi. Allez, on le choque pas comme tout à l'heure, lui. Voilà, exactement comme ça. Parfait. Parfait, voilà, là c'est nickel. On l'a déglingué. Bravo. On préfère ça. Papa, GG, merci. Protecteur blanc, après c'est la pause, et après lui c'est Marcotte. Celui sur lequel on est mort. Oh, direct, il me fait un lame de roc là. C'est cru dans Pokémon. Il joue au basket. Arrête de sauter partout. Ah, il va trop vite, je peux pas l'atteindre. Allez, hop, salle de repos. Et ah non, il y a le tyran de l'âme, pardon, avant Marcotte. Il y a le tyran de l'âme. Et après Marcotte. Vas-y, ce soir je dessine. OMG, le dessin. Go dessiner. Voilà, c'est bien. Tu annules Valo pour jouer, pour faire du dessin, on accepte. Ah oui, en phase 2, il m'avait dit full magie sur Marcotte. Ouais, je me rappelle. Ouais, faut pas que. Ouais, faut que je pogo juste sur la première phase et quand il fait ses boucliers. Et après. Ok. Hop. Bon, je pense que Marcotte, là, on le passe après. Hop, sur côté Marcotte. Tu crois pas demi, mais c'est un projet. Ok. Moi j'y crois. Allez, go Marcotte. Donc, première phase, on pogo un max sans se faire toucher. Quand il fait son coup de bouclier en pogo, et deuxième phase, on fait full magie parce que c'est trop risqué le pogo. Voilà le l'objectif. Bon, on peut pas pogo s'il est au-dessus de nous, par contre. Hein. Arrête! Non, 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 non! Mais putain, mais. Vas-y, j'arrive pas à me rattraper sur une putain de plateforme. Attendez. En fait, j'aimerais bien tempo jusqu'à ce qu'il fasse le bouclier et essayer de me tenter un heal. Ok, c'est bon, le bouclier. Parfait. On essaie de la jouer safe là, j'ai pas envie de relose contre lui. Ah merde, j'ai pas réussi à rebondir. Ok, il fait bouclier. On en profite pour heal un HP. Voilà. Ok, là il est en mode double aiguillon, double machin.
Ok, mon ami cher. Il est où? Il est mort, voilà! Hop, j'avais dit qu'on le passait là, c'est bon. Record battu. Ok, next, c'est qui? GG, merci. Zot, c'est Zot? Ouais, c'est Zot. Ok, bon, c'est chiant, mais ça va le faire. Ah oui, c'est vrai qu'il saute beaucoup comme ça. Merde, ce petit truc qui me faisait chier là. Là, il va sauter, non? Non, pour ça, mon bras de micro, je suis tellement dégoûté. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça fait chier, hein. Et ouais. Bah, écoute, c'est leur faute, hein, parce qu'ils respectent pas ce qui... l'objet qu'ils sont censés vendre, donc... qu'ils aillent se faire. Honnêtement. Ah, ok, bon, lui, il est tranquille. Vas-y, rush-moi dessus. Voilà. Chevalier tocard, vraiment. OMG, on approche de la fin. J'ai trop la haine. Je comprends ça. Tu l'avais payé combien le micro, ce micro-là déjà? Ce bras de micro. Ok, attendez. Là, faut que je me concentre parce que Cauchemar Grimm, je l'ai pas fait depuis la run d'acier. Alors, quand il fait ses trucs, parce que là, j'étais réhabitué à l'ancien pattern, faut que je me réhabitue à celui-là. Et je focus, je vais pas trop parler. On arrive à la fin, donc 48 en solde. Ouais. C'est abusé, c'est vendu super cher, je trouve, quand même, déjà, 48 en solde. Pour un truc qui tient pas, là. Putain. Bâtard. Ouais, te laisse pas démoraliser par ça, c'est pas grave, hein, c'est bon. Juste une question de temps, tu récupères un bras qui marche. Et puis en attendant, franchement, honnêtement, enfin, moi personnellement, je trouve vraiment que ton son est qualitatif, même sans ça. Donc, bon, tracasse pas trop la tête. Abuser le prix de fou. Bon allez, je me focus, c'est parti. Aïe, oh là là. Oh. Non, c'est trop. MDR. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai oublié qu'ils faisaient ça. MDR. Ah, c'est mort. Ah, super. Oh, je me déteste, je me déteste. Ah, je me déteste tellement. Ah mais comment? Non, 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 non. Comment j'ai pu me faire? Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Attendez.
On est d'accord qu'après lui, il restait que deux boss. Hein. Juste histoire que je me dégoûte bien comme il faut là. Juste histoire que je me dégoûte bien comme il faut. Oui, c'est ça. Il restait que deux boss après lui. On avait fini. Yes. Ouais. Après, il restait un vaisseau pur radiant si c'est fini, quoi. Bon. Le focus est un échec. Mais en fait, c'est comme d'hab, quoi. Je ne l'ai pas fait depuis trop longtemps. Et du coup, je me fais surprendre par ces patterns de merde. Donc, écoutez, ce qu'on va faire. Il est quelle heure? 19h? Ouais, ok. Vrai, je vais pas vous mentir que c'est short pour refaire un try, mais j'ai pas envie d'arrêter là. Donc, on va aller vite fait faire 2-3 try contre Cauchemar Gris, mais et vaisseau pur aussi. Juste pour se remettre les patterns en tête et être sûr que la prochaine fois qu'on les voit, on les défonce, ok? Maintenant, la strat pour tout le monde. Donc, je veux dire, le prochain try où on est focus comme il faut, c'est la bonne. Du coup, Grim, il est là. Hop. Et pas tarder, moi aussi. Ok, je sais pas quelle emote mettre. Mais normalement, il y a une emote salut. Attends. Ah non, peut-être pas encore. Ah oui, non, je l'avais mis dans les. Si, c'est celle-là, regarde, celle-là elle dit salut, c'est aïe. C'est tout petit mais c'est écrit aïe. Voilà, lui je me rappelle, ok, il en balance 4, pas 5, je me rappelle qu'il faut passer au milieu pour ce truc-là. Là je peux rebondir, ok. Je pense que j'avais aussi un peu la pression de du Panthéon, je vais pas vous mentir. 1, 2, 3, 4. Et là on peut heal. Ouais, ici faut pas oublier qu'on peut se heal. Là on passe au milieu. 1, 2, 3, 4. Et on heal. Ok, merde, j'ai pas vu par terre. Là on peut rebondir. On esquive juste, on joue pas les fous. Passe au milieu. Ok, il a un quart de sa vie. Il a perdu un quart. Deux, trois, quatre, et on se heal. Hop. Un, deux, trois, quatre. Tac. Ok. Ah mais ice, dire bonjour, pas au revoir. En anglais, tu dis pas les deux. Alors, ice, ça marche pas pour les deux, ça marche que pour bonjour. Non. Aïe. Ok. My bad. Oui, bah au pire, il fait. Bon, bah on est mort. C'est que bonjour, ok. Voilà, ça me prendra à vous lire, j'ai perdu à cause de vous. Ok. Ouais, parce que du coup, j'ai demandé à Nira de mettre une emote Madeline où elle dit aïe. Enfin, elle fait salut avec un aïe. Et du coup, putain. Du coup, peut-être lui demander de juste faire un qui peut servir à bonjour, au revoir, ça peut être bien. Vas-y, je fais nappe. Arrête de passer en haut! Idiot. Hollow Knight, idiot. Bon. Oui, bien sûr. Mais oui, je vous dis. Vaut mieux rien écrire, ouais, je le retirerai. C'était rapide, assez bon. Ce qu'elle t'a dit hier soir aussi. Super.
Ah, je jure, j'étais pas dessus là. Bien. Moi, si je continue comme ça, on le passe. C'est vrai que j'ai pas le temps de l'initier en vrai. Ok. Il a plus que 25% de vie normalement. Parce que c'est la troisième fois qu'il le fait, je crois, là, la boule. Aïe. Oh putain. Foiré. Ah bien. Ah, il le refait là, ok. Bon, va pas lui rester grand-chose quand même, hein. Voilà, c'est bon. Ok, donc Croix des Cauchemars Grimm, prochaine fois qu'on le voit, on le démonte. C'est bon. On se refait un petit vaisseau pur pour se remettre un peu pareil le pattern en tête. C'est bon, merci. Merci pour le GG. On se refait lui vite fait, et puis voilà. Vous vous rappelez comment on a galéré sur lui, hein? On avait passé 2 heures la première fois. Ah, il faut pas que je dashine dans ces trucs-là. Et pourtant, je le refais, hein. Genre du dashing par contre. Ah, j'ai pas le temps de sauter. Ah oui, c'est vrai que la deuxième phase, il commence les zones de choc. Ok. Oui, onde de choc et la troisième phase, il fait quoi déjà? C'est quoi ça? Il y a une dernière attaque après à la fin. Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle plus. Par contre, il tombe tellement plus vite là avec les dégâts qu'on fait, ça fait plaisir. Pas du dasher. Là. Putain, mais. Une box, c'est pas généreuse là. Pris cher. Wesh, ça arrive tellement vite ça. Ouais, ok. Ok.
On leur fait 2-3 fois et puis je pense qu'on arrivera à le arriver au bout. Puis après on se retrouvera un dernier Panthéon, ça va être short niveau temps en vrai, mais je vais voir ce que je fais. Ah vas-y, c'est comme à l'ancienne, c'est ses proches de merde qui me saoulent hein, tout le temps. C'est déjà ça la première fois qui me saoulait le plus. Bien que j'aille à l'extérieur. Putain, j'ai même pas le temps de tout le temps de heal 2 HP. Chier. Ouais. Ok. Après, avant le vaisseau pur Radiance, il y a un banc, donc on peut toujours changer le stuff si on veut mettre un petit heal rapide. Mais bon. What the fuck, on m'a offert un abonnement à une chaîne que je follow même pas. Comment c'est possible? Ah ouais? Bah, je suppose que. Parce que. Tu sais, quand tu fais des sub-gifts, bah, au bout d'un moment, forcément, s'il y a beaucoup de sub-gifts, tu finis par arriver à la limite de followers de la chaîne, tu vois. Et j'imagine qu'après ça doit prendre des gens random, tu vois. Est-ce que t'as déjà atterri sur un de ces lives au moins? Ou même pas? Putain, je déteste quand il fait des contres. Saloperie. Quoi? Je me suis fait toucher d'où là? Ah oui, c'est ça l'autre coup qui fait, c'est vrai. Bon, celui-là ça va, mais du coup j'ai fait de la merde, j'ai perdu pas mal de vie. Non! Ah, je suis en l'air plein dedans. J'ai sauté en plein dans la zone. J'y serais peut-être une fois pour fouiner. Non, j'ai juste fouiné à la 2500 followers, donc ça m'étonnerait. Là, tu sais, des fois, les gens, ils s'amusent à faire des choses un peu folles. Et pour moi, c'est. Enfin, en vrai, je vois que ça. Ou alors, on t'a offert un sub en mettant ton pseudo et c'était visé, tu vois. Putain, on peut même plus stalker tranquille maintenant. Non, ou alors, c'est quelqu'un, ouais, qui a fait un subgift à toi volontairement, tu vois. Alors pourquoi une chaîne que tu follow pas, je sais pas. Non, impossible, on me connaît pas sur cette chaîne. Bah ouais, bon, je sais pas. J'avoue, j'essaie de trouver des solutions les plus logiques, tu vois. Expose. Pardon, j'ai fait la D Pourquoi je monte si haut? En fait, il y a une solution toute bête quand il fait ses proches. C'est dash in, mais en restant au sol. Et je sais pas pourquoi je fais tout le temps double saut dash. Ce qui est le pire truc à faire. Ou alors il faut que je fasse à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. C'est genre une streameuse qui passe souvent sur les streams de l'autre là. Ok, et pas que j'étais allé voir une fois et c'est tout trop étrange, bref. Ok, et c'est indiqué qui t'a offert le sub ou c'est anonyme?
genre là, je l'ai peut-être pas au-dessus de lui, quoi. On est où là? Pas le temps de heal, super. Ah, ouf. Ah merde, j'ai pas le temps, putain. Ce qui est dur, c'est que du coup, t'enchaînes vaisseau pur radiant, c'est-à-dire que faut pas perdre trop de vie contre vaisseau pur pour arriver avec assez de HP contre radiance, quoi. Oh là 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 là. Ouais, je pense qu'on va faire ça le reste du stream, là. Il reste plus longtemps du stream, de toute façon. Juste tryhard un peu vaisseau pur, comme ça. Prochaine fois qu'on fait le Panthéon, on peut faire une ligne droite, et puis voilà. Trop étrange, bref, lui c'est indiqué, pareil, je connais pas. J'avoue, bizarre. Sort bizarre. Large faisable en vrai. Oui, mais faut vraiment que j'arrive à faire vaisseau pur en perdant vraiment pas trop de PV. Genre, je pense qu'il faut que j'arrive contre Alliance avec au moins 7 PV. C'est l'objectif. En vrai, il faut juste que si je termine avec de la mana, ça va, mais. What? Je me fais toucher par quoi là? J'ai sauté sur lui. Ah merde. Alors là, faut des moves comme ça passer, il faut pas que je le fasse. Putain, j'ai. Il y a tellement de bruit dans le jeu que j'arrive même pas à identifier si j'arrive à me. Si je dans le heal ou pas quoi. Bon, vas-y. Là, il y a un nouveau film avec Zac Efron sur Netflix, en mode je vais dessiner. Ça va, t'as le temps de faire les deux. Un film, c'est quoi? C'est 1h30, 2h, max. Tu peux te dessiner et puis regarder le film tranquille le soir, l'inverse. Comment ça, je me fais toucher aussi? Vas-y, on va faire des tests. Faire des tests de hitbox là. La prochaine fois qu'il refait son. Ouais, vas-y, laisse tomber. On va rien faire du tout. Putain, mais j'ai même pas le temps de faire ça là. Ok. Ah, c'est vrai que des fois il s'est sauté. Mais c'est quand il a envie, parce qu'il avait jamais sauté jusqu'ici, quoi. Enfoiré. Enfoiré. Il y a peut-être un monde où, s'il y a personne qui joue à Valo ce soir, il y a peut-être un monde où je lance un stream, on va pour terminer. Je sais pas. Vas-y, je fais n'importe quoi, là. Après, je suis censé lancer Smash ce soir aussi, mais Kaylan il va être dispo assez tard. Ça rien.
Ah putain, il a fait un cercle près de lui. Oh la catastrophe là, ce qui s'est passé. Oh vas-y, fais chier. Non, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Je suis censé faire quoi là? Il y a un cercle explosif qui est derrière moi. Et lui, il a le temps de rattaquer avant que son attaque d'explosion se termine. Donc, je vais devant, je me fais baiser. Je vais derrière, je me fais baiser. Bon, merci. Désolé pour le sel. Que le bouton de signal doit regarder ces vidéos-là. Oui, non, mais je ne disais pas de le faire en même temps. Je sais pour ça que j'y crois zéro depuis le début. Entre Valo et le film, il y a tout pour t'empêcher, cette Mats. Non mais ça va, la soirée, il y a encore 4, encore 5 heures devant toi. T'as le temps de faire plusieurs choses. Putain, c'est dommage, on l'avait et puis d'un coup ça choque de fou là. C'est dommage. Bon, n'empêche que ça va. En vrai, j'ai encore la technique, faut juste que j'arrête de, voilà, de dasher dans ces putains de proches. Ce sera très bien. Mais depuis quand il saute là? Allez. Ah merde, je pensais qu'il faisait son truc noir là. Merde, je pensais que j'avais le temps, mais sans le heal rapide, c'est chaud. Ah, vas-y, saute, bien sûr. Ok, on l'a eu. J'ai terminé avec 4 HP. Là, on a le temps de heal 3, donc on monte à 7, 8. 9, ok, parfait. On a le temps de full heal, donc bah, c'est bien. Écoutez, je pense que là, on pourra se lancer dans le Panthéon. Easter 30. Ah, attendez. Un message de ma soeur pour la bouffe ce soir. Ouais, si tu veux aller. Ah, on me demande d'aller commander parce que ça ne répond pas au téléphone. Ah, mais si tu me donnes pas la liste, je peux pas commander. Donne-moi la liste, s'il te plaît. C'est mignon, la naïveté. Comment ça? Là, si on arrive à faire... Là, Panthéon, on est mort tout à l'heure contre Cauchemargrim. Là, on a réussi à le repasser. Après, derrière, c'est Vaisseau Pur. On a réussi à le repasser. Derrière, il reste plus que Absolute Radiance, mais contre laquelle on peut pas s'entraîner, malheureusement. Donc, je pense qu'avant le fight, genre, je regardais un peu les patterns, même si je me rappelle de la plupart. En vrai, Absolute Radiance, elle a pas des patterns très très rapides. Le plus dangereux, c'est ces boules explosives là. Le reste, les pics au sol, tranquille, faut juste pas se mettre sur la bonne zone. Quand elle fait ses épées sur les côtés, bon.
Ça fait un pattern sympa, mais sinon ça va. Et puis quand elle lance ses épées de lumière, c'est facile, enfin ses rayons de lumière autour d'elle, bah, c'est facile à éviter ça. Donc non, franchement, je pense que. En vrai de vrai, vaisseau pur, je trouve que c'est beaucoup un boss qui est beaucoup plus difficile que Radiance. Hein. À voir si Absolute Radiance nous donne plus de fil à retordre, pardon. Et ce qui sera dur, c'est surtout sa dernière phase, parce qu'il n'y a que deux petites plateformes autour d'elle, il me semble, un truc comme ça. Donc voilà quoi. C'est les mêmes qu'en normal. Non. En fait, la personne qui est passée l'autre soir a dit que pour lui, Absolute Radiance, ça changeait pas mal. Mais moi, quand j'ai regardé le fat sur YouTube, honnêtement, j'ai pas vu tant de diff que ça avec la Radiance qu'on a fait l'autre jour. Genre, phase 1, quand elle est tout en bas, j'ai vu aucune diff. Phase 2, quand elle grimpe. Et quand on arrive à la première, à la mid-zone, j'ai vu aucune diff. Peut-être que la zone est plus restreinte, à voir. Et dernière étape, c'est là que ça change le plus, c'est qu'elle n'a que deux plateformes autour d'elle, elle fait que spammer des boules explosives. Voilà. C'est pour ça que pour moi, la phase 3 qui change le plus et qui peut être un peu relou, quoi. Et sinon, j'ai pas vu de diff, quoi. C'est l'accumulation de stress qui aura raison de toi à la longue plus qu'autre chose. Je suis d'accord. Le stress et la peur de gagner et la fatigue. Mais je suis d'accord. Pour moi, c'est ça qui est dangereux. Plus qu'autre chose. Ah, c'est bon. Ils ont réussi à commander. Nickel. Pour quelle heure? Je demande pour quelle heure, comme ça, on voit si on attendra faire une run. Donc. En général, là où on commande, ils sont assez rapides, donc 20h15. Ouais. Oh, 45 minutes! Vite! Retente une run! Eh ben non, mais au pire, je suis débile. Au pire, il y a des bancs. On peut save sur un banc, on n'est même pas obligé de tout faire d'une traite, de toute façon. Donc ouais, refaisons une run, et puis voilà, au pire, je m'attresse si j'ai pas le temps. Hop, bon, 20h15, c'est-à-dire qu'en gros, moi, le temps que je me prépare et partir, faut que je coupe à 20h05 max, quoi. Voilà. 20h05 max, faut que je coupe. Voilà. Donc, dans une demi-heure, c'est finito, quoi. Ça laisse 30 bonnes minutes, ça va. Ouais. Mais bon, 30 minutes, il n'y a clairement pas le temps de le faire. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas le temps. Je sais que le speedrun, il est très très court sur les boss, mais moi j'ai clairement pas le temps. Genre. Je crois que c'est 4 minutes le speedrun hein, sur ça, non? Je sais plus. Il me semble que c'est ça, mais. Après, les gens qui speedrun, ils jouent magie, hein, ce qui est beaucoup plus fort. Hop. On essaie quand même les rush en max, hein. Allez, fais-toi toucher, toi. Hop. Faut vous dire que là, je martèle ma touche, hein. Laisse pas attaquer. Ça s'entend, t'inquiète pas, merde.
Ça s'entend beaucoup ou ça va, genre? Je veux pas que ce soit chiant non plus. Il y a Squeezie sur Valo, OMG. Oh non, encore un truc qui va t'empêcher de dessiner, merde. Disons que j'aimerais pas être à sa place. Ok, d'accord. Super. Ah, ça le recule quand je fais ça? Ah, intéressant. Attendez, je viens de découvrir un petit truc sur ce boss. Est-ce que tu peux refoncer comme ça? OMG! Oh, je savais pas ça qu'on pouvait faire ça. Ah, ben d'accord. Ben écoute. Ok. Ah non, c'est Gentleman. MDR, ça va aux F. Ah, bah, je préfère regarder Gentleman que Squeezie. Hein. Ou alors, si, pour abréger mes souffrances. On va éviter, hein. C'est bon. C'est bon. Je suis en colère là. Mode berserk, c'est parti. On les défonce tous. On n'a pas le temps d'attaquer. On n'a que 30 minutes. Allez. Hop. On n'a jamais été aussi vite en vrai. De toute façon, tu peux pas tuer ce qui est déjà mort. Bah si, on les tue par exemple. Hop, salut. Le bousier. Next. Pas trop. Le bug son. Ah, tu faisais référence à toi, putain, je viens de comprendre. Aïe, 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 aïe. Hop. Ah ouais, t'as eu une sacrée montée de ping là pour percuter maintenant. Ah oui, pour le tricher. Oui, non, je l'avais pas capté. Pas capté. Hop. Salut. Fonctionne pas avec la fibre visiblement. Ah, c'est bon, hein. Pas être rapide dans le jeu et dans le chat. Hein. Allez, salut. Pinel, pinel. Boum, boum, boum. On continue en fast. En vrai, si on continue d'être bien rapide comme ça,
Merde. Oups. Ah, je pense que contre eux, ça marche mieux. Hein. Allez hop, salut. On l'a défoncé. Concentre-toi, commence pas à prendre la confiance. Tu vas te faire karma. Non, t'inquiète, t'inquiète. Quand c'est des. Quand on arrivera contre les boss vénères, je sais que ça va être plus safe. Y a pas de soucis. Mais bon, là, je sais que ceux-là, j'ai pas de problème avec eux. Donc... Hop. Je les connais. Quel... Hop. Qui après a les menthes. C'est vrai. Bon, les menthes par exemple. On va par la première, hein, mais sinon. Faut la jouer safe, bien sûr. La grid des coups nuls. Le retour des triples tocards. Non, c'est pas des tocards, elles. Elles sont cool. Et voilà. Oui, mais le combat est relativement facile depuis tout à l'heure à chaque try, Tokar. Non, mais c'est facile parce que moi je les connais et que je me démerde bien. Et va le faire le fight, hein. Va faire le fight pour la première fois en vrai. Et encore, il n'est pas comme ça la première fois, bien sûr. Pas pareil. Sinon, c'est tous des tocards dans ce cas-là. Tous des tocards. Allez.
joue déjà pas, quel que soit, leur Hollow Knight. Je joue à Céleste, il est à 2 € là sur Steam. Let's go. Je vois rien en ce moment, flemme. Ah, rien du tout. Mon essence se résume à binge-watcher des séries que j'ai revues et revues afin d'échapper à la réalité et claquer sa mère. Oh. Essaye de regarder des nouveaux trucs au moins, bordel. Est-ce que t'as déjà vu Supernatural? À mon avis, c'est pas la première fois que j'en parle. Aïe. Oui, 4 fois j'ai fini de le revoir il y a 3 mois. Putain. Ok, d'accord. Excuse-moi. En plus, je suis quasiment certaine qu'on en avait déjà parlé, mais bon. Hop. Ok, quelle heure il est? Moins le quart. Ok. Oui, t'as même émis l'hypothèse qu'on regarde la série en live. Oui, c'est vrai, c'est à ce moment-là que j'ai dit ça. Et puis finalement, avec Sarah, on s'est dit que c'était une mauvaise idée parce que quand on regarde, quand vous êtes sur le stream, il n'y a personne qui a Prime sur le stream. En tout cas, vous n'avez pas le badge. En plus, anime, série, film, j'en regarde tellement qu'à force, il n'y a plus rien de nouveau. Ouais, je comprends. Dur de trouver de la nouveauté. Bah, après, ça doit se trouver un peu plus facilement peut-être dans les animés que dans les... que dans les séries, mais... Là, forcément, à force, tout ce que tu regardes, t'as l'impression d'avoir déjà vu, quoi. Mon père, il est un peu comme ça aussi. Yeah.
Hop. Je suis actuellement à mon 5 ou 6ème visionnage de New Girl. The fuck, t'abuses. T'abuses de fou. Hein. Je connais pas par contre. T'abuses. Calme-toi, Grim. Pourquoi oh, il fait déjà sa boule là? Merde, je suis pas bougé. Grattait le nez. Hop. Allez. Merde, c'était trop. J'ai le temps aussi, vu ma pratique du sommeil, je suis réveillé depuis 3 heures du mat, là, je me suis endormi, je me suis réveillé. Quand Spade était encore en live, en fait, t'as toujours, en fait, t'as toujours quelqu'un qui est en stream, quoi, finalement, avec ton rythme. Ton rythme du cul. Allez, ciao, Grim. 19h52, ok. Là, il y a Ornette après, je crois. Non, pas encore. Vas-y, on dit qu'on a le temps de faire un deuxième segment. Enfin, deuxième. Un autre segment. Me suis endormi, son Descott était à 8, je me suis réveillé, il a changé en Lost Scout. Oui, je l'ai vu ça. Je l'ai vu. Scammer. Allez. Allez, next. Bien, bien. C'est qui après lui déjà? C'est Humu? Oui, c'est Humu. Ça. Oh, attends, bouge pas. Ok. Oula. Mais putain, mais je vois rien. Ok, c'est bon. Après ça, qui sait? Je m'en rappelle plus. Ah, Wiznosk. Allez. On a vu qu'on pouvait le battre un peu plus vite que d'habitude, que ce qu'on pensait. Bon, on peut rebondir plusieurs fois dessus quand il dash.
Et hop, 3 coups. Ouais, 3 coups au lieu de 2. Quand j'y arrive. Ok. On a un peu de magie à la fin, et puis. Ah merde, je suis failli là. J'ai fait de la magie, mais c'est pas parti. Voilà, c'est bon. Hop. L'avantage de pas dormir, merci pour le jeu. Après, c'est que je peux faire le ménage sans avoir des gens dans les pattes, vu que c'est moi qui empêche qu'on vive dans une déchetterie. Super. Super, super. Easy. Oui, c'est vrai. Bon courage quand même. Moins 5, on a Sly Hornet et après la pause. Donc on arrêtera là. On est full vie contre Sly, c'est bien. Super. Putain, mais il se tape si haut! Full vie pour la deuxième phase. Très bien. Petit merde de Slav, on n'a plus peur de toi. C'est un peu vrai, hein. Il y a juste cette deuxième phase, elle me fait toujours un peu chier, mais bon. Bien ce qu'on lui a mis là. Allez, hop, salut. On arrive contre Hornet avec 6 HP, ça va. Il est 55. Ouais, t'inquiète. Après Hornet, on arrête. On aura un banc. Je vais pas arrêter si j'ai pas de banc. Et t'as vu du coup, hein, même sans canalisation rapide, il y a quand même des moments sur la plupart des boss où on trouve des timings pour ce heal. Hein. Oh, elle est buggée, nice. La chatte. Allez, continue de bugger comme ça, c'est bien, on kiffe. Ça nous est arrivé la première fois qu'on a fait le Panthéon 5 deux fois d'affilée. Ce qui s'est passé là. Surtout que t'as pas canalisation rapide. Oui, voilà. Et on arrive, on trouve quand même des moyens pour des timings pour heal et tout, alors au moins c'est sûr, mais ça va. Bon bah voilà. On va pouvoir arrêter, bah oui, même 5 minutes avant. Voilà.
Hop. Bien wesh, let's go. Et puis bah du coup, je sais pas. On verra bien sûr tout à l'heure ou pas, j'en sais rien. Bah, on verra. 20 h pile, ouais. Ouais. Bon, ça, j'attends. Ah, attends, moi, spam de messages. Ok. On est quand même. Hop, bon allez, faut vraiment que je finisse là du coup. Merci d'avoir été là. Bon bah j'espère que la prochaine fois, il y aura un peu plus de monde parce que là il y avait que j'ai ça. Et que vous serez là pour. Qui seront là pour voir les petites emotes qu'on a et tout ça, quoi. Hein? Regardez, je vais vous mettre une pluie d'emotes là. Tac, tac, tac. Boum! Voilà. Let's go. Repas de famille. Ouais, moi c'est un repas vite fait, quoi. C'est une petite bouffe, quoi. Pas probablement là si tu lances. Merci bien, merci bien. Ah, voilà, les emotes. C'est bien. Bon, allez. Merci, merci, merci. Toi aussi, bon appétit, bonne soirée. Et à plus tard, peut-être. Ciao, ciao.